Attention, bloque-le! Sakiko, tu es dur comme manager. Vous pouvez engager. Je me retrouve coincé avec des joueurs qui ne savent pas jouer au foot. Ce ballon est pour moi. Je vais le dégager. C'est vrai, tu arrives tout droit du lycée de Kitano? Ouais. C'était le capitaine de leur équipe de football. Il est très fort. Ce sera notre nouvelle arme secrète. Oui, tu as tout à fait raison. Leur équipe s'est hissée dans le top 3 au dernier championnat national. Oui, c'est vrai. C'était une assez bonne saison et je les ai aidés à gagner chaque match. Fantastique, on a une chance de remporter le prochain championnat régional. Oui. Yuta, hey. Oui. J'aimerais te présenter Kenji Saito. Ça va être la nouvelle star de l'équipe de foot du lycée Minami. On dirait bien que tu vas avoir de la concurrence. On s'est déjà rencontrés ce matin. On est dans la même classe et je suis Yuta Kazama. J'ai vraiment hâte de m'entraîner avec toi. Merci, moi aussi j'ai hâte. Enchanté. Je suis sûr que je suis meilleur que lui. Je vais te montrer, Yuta. Ouais, j'assure trop. Qu'est-ce qu'il s'imagine? Ketsu! Pas question que je le laisse encore marquer. Non! Yuta, ça va? Ça va, ça va très bien. Vous avez vu ça? Yuta, ça va? Oh non, c'est pas vrai. Appelez un docteur. Arrête-toi, Yuta. Il a mal. Là, 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 là. Coach, j'imagine que ça fixe définitivement la liste des titulaires. Oui. Yoshio Tateishi. Je suis là. Daiji Nakamura. Oui, présent. Koji Sakamoto. Oui. Kenji Saito. Oui. Go Akagi. Oui. Makoto Yamaguchi. Oui. Voici l'équipe type de cette année. Félicitations. Bravo, messieurs. Cette saison, vous serez les joueurs titulaires. Bonne chance. Mais peu importe votre place, que vous soyez titulaire ou remplaçant, ce qui compte, c'est de donner le meilleur de vous-même. C'est ce qui rend toute l'équipe encore plus forte. Compris? Oui, coach! Maintenant, voici des nouvelles à propos de ce qui est arrivé à Yuta hier. Il a une grave blessure à la cheville gauche. Le docteur a dit qu'il lui faudra au moins 2 mois pour s'en remettre.
Bonjour Yuta, il est vraiment tôt, qu'est-ce que tu fais déjà là? Bonjour Kenji, on a un match contre le lycée Futaba cet après-midi. Tu n'as pas besoin de faire ça, laisse les plus jeunes nettoyer les ballons. Ça ne me dérange pas, j'ai envie de faire quelque chose pour l'équipe. Et comme pour l'instant je ne peux me servir que de mes mains, moi ça me va. Tu sais ce qu'on dit, non? Les meilleures équipes ont toujours l'équipement le mieux entretenu. Tiens, Kenji. Prends ça, je veux juste faire tout ce que je peux pour soutenir l'équipe. C'est ce qui compte le plus pour moi. Note sur les joueurs clés de l'équipe du lycée Futaba. Tu sais, on n'a jamais perdu un seul match contre le lycée Futaba, donc je ne m'inquiète pas du tout. Surtout avec toi dans notre équipe. Ça ira. Yuta. Ils sont même pas bons. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? Ils n'arrivent pas à développer leur jeu comme d'habitude. Mais enfin, c'est quoi son problème? On dirait que Kenji n'arrive pas à rentrer dans le match. Mais qu'est-ce que vous faites? Jouez plus compact, vous ratez toutes vos ouvertures! Ils sont nuls! Et leur capitaine, là, il sait même pas jouer! Vous trouvez ça drôle? Allez, qui a dit ça, bande de mauviettes? J'attends! C'est toi ton problème! Allez, vas-y, fais gaffe! Répète ça! Kenji, arrête! Arrête, Kenji, stop! Qu'est-ce qui se passe ici? Arrêtez de vous battre tout de suite! Allez, viens! Viens! Pauvre tâche! Ça suffit, joueur 11, vous êtes expulsé! Tant mieux, il a besoin de se calmer! C'est normal de se sentir parfois frustré et en colère. Mais vous devez contrôler vos émotions. Ne les laissez jamais vous miner. Vous débordez d'énergie et vous prenez les choses à cœur, donc il faut s'y attendre. Ça arrive quand on grandit. Mais vous devez diriger cette énergie dans quelque chose de positif. C'est vous qui décidez si vous allez canaliser cette énergie de façon constructive ou destructrice. Mais si vous faites le mauvais choix, vous finirez par le regretter. Ça, c'est certain. Monsieur, nous vous présentons nos excuses. Nous sommes désolés. N'oubliez pas, c'est un vrai défi de contrôler sa colère et d'apprendre à la canaliser dans quelque chose de bien. En changeant notre attitude, il est possible de transformer une situation négative en situation positive. Alors, messieurs, on va garder cette pensée à l'esprit et repartir sur de nouvelles bases dès demain. Oui, monsieur. Changer le négatif en positif. Maintenant que j'y pense, ça me rappelle Yuta. Très bien. Bonjour tout le monde. Chers élèves, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. La semaine prochaine, notre lycée accueillera des étudiants venus tout droit d'Angleterre. C'est vrai? En quel honneur! Eh bien, voyez-vous, notre lycée a un programme d'échange avec le leur. J'espère que vous avez le niveau d'anglais pour tenir une conversation. On va parler? Oh, ça va être trop dur. Bon, ça va, j'ai compris. J'imagine que ça veut dire non, hein? Franchement, j'aurais pas besoin d'étudier autant si j'étais bon en anglais. Tu as sûrement raison. Vous n'allez pas parler couramment en une journée, mais faites quand même de votre mieux pour savoir au moins leur dire bonjour. Monsieur Shimano, est-ce que vous parlez bien l'anglais? Oui, bien sûr, je suis obligé. De nos jours, il est nécessaire de bien le parler.
Pour moi, ça fait partie des conditions pour devenir professeur. D'accord, on verra s'ils vous comprennent. Mais je... C'est bon, un peu de calme dans la classe. Les étudiants anglais vont assister à quelques-uns de vos cours. Ensuite, nous avons prévu d'organiser un match amical de football entre nos deux lycées. Oh, c'est... On viendra vous soutenir. Trop cool. Vous allez les battre, j'en suis sûr. Dites, monsieur Shimano, vous pouvez nous en dire plus sur ces Anglais et sur leur lycée, s'il vous plaît? Bien sûr, bonne idée. Je serais ravi de vous dire ce que je sais sur eux. Ce groupe d'étudiants vient d'un lycée privé traditionnel au centre de l'Angleterre. Là-bas, la plupart des écoles privées sont des pensionnats. Les étudiants y font à la fois du sport et des études académiques. Ils développent leur physique et leur esprit. C'est une tradition bien ancrée en Angleterre et beaucoup de leurs grands dirigeants viennent de ces pensionnats. Tenez, par exemple, combien d'entre vous connaissent le général Wellington? Il était diplômé d'Eton. La bataille de Waterloo a été gagnée sur les terrains de jeu d'Eton. C'est correct, monsieur Shimano? Oui, très impressionnant, Sakiko. Ce sont effectivement des paroles célèbres du général Wellington qui vainquit Napoléon à la bataille de Waterloo. Comme tu es intelligente, Sakiko. À Oxford, juste après la Seconde Guerre mondiale, un mémorial fut construit. Oxford est une célèbre ville universitaire, et ce monument honore les nombreux étudiants qui ont combattu et sont morts durant cette guerre. Même les noms des jeunes Allemands qui avaient étudié en Angleterre sont gravés là. Vous vous demandez sans doute pourquoi les Anglais ont honoré la mémoire d'Allemands alors qu'ils avaient causé leur souffrance. C'est une bonne question. Eh bien, ça donne un peu à réfléchir, c'est sûr. À votre avis, pourquoi un pays rendrait hommage à un peuple avec lequel il a été en guerre? À quoi pouvait-il bien penser? Bien. Qui le sait? Eh bien, monsieur, je crois que c'est parce qu'il voyait avant tout ses étudiants comme des camarades et pas seulement comme des ennemis. Oui, exact. Et c'est un peu comme dans le sport. Comment ça s'appelle? Il y a un nom pour ça. Est-ce que vous le connaissez? Si vous êtes dans le ressentiment et la haine, vous ne ferez jamais un bon match. Chacun de vous fait partie de l'équipe et vous devez tous être considérés comme égaux. Et c'est exactement la même chose en tant que citoyen de cette planète. Voilà l'esprit dont je parle. Ça y est, j'ai compris. Vous parlez du fair play. Bravo, c'est ça. Même pendant la période très difficile de la guerre, les Anglais gardèrent le sens de la justice et traitèrent les étudiants allemands comme des êtres humains qui souffraient aussi. Quand ce sens de la justice disparaît, un climat de guerre peut s'installer. Et nous devons donc maintenir cet esprit de justice pour que la paix puisse perdurer. Hé, hey, Kenji, tu veux jouer? Merci, mais non. Même pendant la période très difficile de la guerre, les Anglais gardèrent le sens de la justice. Mais qu'est-ce que je fais? Je peux peut-être tromper les autres, mais pas moi-même. Je connais mon problème, et c'est à moi de faire quelque chose pour le régler. Non, mais tu plaisantes. Je sais pas dire un mot en anglais. Je ne sais pas comment lui demander pardon. Ok les gars, allez, on se sent bien. Ouais, je te sens bien de toute façon. Je suis sûr que vous le savez déjà. L'équipe de football d'Angleterre est l'une des meilleures au monde. Même si ce ne sont encore que des lycéens, ils seront sûrement meilleurs que la plupart des équipes. Donc, sur le terrain, donnez tout ce que vous avez et amusez-vous. Ce sera la stratégie pour aujourd'hui. On ne sait absolument rien de cette équipe, donc tout ce que je peux vous dire, c'est faites de votre mieux. Défendre bien. Ils sont très rapides. C'est le moment. Hors jeu. Oh non. Il s'appuie sur la règle du hors-jeu.
Qu'est-ce que c'est, cette règle, coach Shimano? C'est une tactique de jeu avec laquelle la défense met un joueur offensif en position irrégulière pour récupérer le ballon. C'est-à-dire que pour rester dans le jeu, un joueur doit avoir devant lui au moins un adversaire, sans compter le goal au moment de la passe d'un coéquipier. Sinon, il est en position de hors-jeu. La règle ne s'applique pas s'il reçoit le ballon d'un dégagement du gardien, d'un corner ou d'une touche. Cette règle empêche les joueurs d'attendre une passe tout seul devant les cages adverses. Tu comprends? Donc, dans le piège du hors-jeu, un défenseur avance soudainement. Si un joueur de l'équipe en attaque reste derrière, celui-ci ne peut plus participer à l'action. S'il le fait quand même, il est déclaré hors-jeu. L'autre équipe récupère le ballon et obtient un coup franc. C'est une tactique assez difficile à réaliser. Comme le football a été créé en Angleterre, ils savent très bien ce qu'ils font. Je crois qu'ils connaissent ce sport en détail. Kenji, tu vas marquer! Yuta, waouh, il veut vraiment que j'y arrive. Il m'encourage. C'est moi qui l'ai blessé et pourtant il me soutient. Quel match! À la mi-temps, le score est de 1 partout. Tiens, prends ça. Tu vas réussir, Kenji. Bois ça. Merci, Yuta. Allez, les gars, on reprend. Il reste 45 minutes à jouer, alors donnez-vous à fond. Oui, coach! Kenji. Oui, monsieur. Bonne chance. Une fois sur le terrain, marque un but pour Yuta. Je sais que ça lui fera vraiment plaisir. Fais-le surtout pour lui. Maintenant, va les battre. Ok. On compte sur toi. Allez, Kenji! Hey, ça va? Ouais, on est fiers. Super, les gars. Ce joueur a du talent. En effet, il est très fort. Il me fait même penser à un grand sportif. Il est comme Chimie. Chimie? Oui, c'était un joueur de tennis japonais, un merveilleux athlète. Un jour, il a surpris tout le monde à Wimbledon, il y a 80 ans. Il s'appelait Zenzo Shimizu. Bill Tilden, son adversaire, trébucha. C'était sa chance. À ce moment-là, Shimizu aurait pu gagner le match en faisant un retour gagnant. Au lieu de ça, il choisit de garder la balle en jeu pour Tilden. Il joua le match avec un grand fair-play. Il y avait beaucoup à apprendre de lui. Le japonais Shimizu était un grand homme qui connaissait le vrai sens de l'esprit sportif. Mon père m'a raconté tout ça quand j'étais enfant, mais vous, messieurs, vous avez la chance de pouvoir observer ce qu'est cet esprit sportif grâce à ce garçon. Profitez-en, c'est bien trop rare. Bien joué, Blairet. Arrête de jeu! Allez, les gars!
C'est notre dernière chance. Kenji! Yuta. Allez, Yuta, ce but est pour toi! Et le 11, c'était vraiment un bon match. Allez, debout, l'ami. C'est vrai, c'était un bon match. On a joué avec l'esprit du fair play. Tu as bien joué. Merci à toi, Yuta. Yuta! Tiens. Salut, Kenji. Yuta. Oh. Ça va. Écoute, Yuta. Je... Moi? Je voulais juste... m'excuser. Tu me pardonnes? T'es d'accord? Bien sûr. Ça va, t'inquiète pas. Plusieurs vents changeants soufflent sur ce terrain. Parfois, les vents de la défaite. D'autres fois, ceux de l'endurance. Et, quand nous avons de la chance, les vents de l'amitié. Mais bien sûr, nous recherchons ceux de la victoire. Beside me, I'll step up.